Durant une compétition d'athlétisme, les sept concurrents ont couru les 200 mètres. Donc avec les temps respectifs, on me demande de calculer l'étendue, la moyenne et la médiane de cette série. Première chose pour l'étendue, on va rappeler le cours. L'étendue est la différence des valeurs extrêmes d'une série. Donc on cherche la plus grande valeur de la série, 20,69. On cherche la plus petite, qui est 20,09. Et on fait donc la différence, la soustraction entre ces deux valeurs, on tombe sur 0,60, on arrondit bien 2 décimales, puisque toutes les valeurs nous sont données au centième avec 2 décimales, et on peut conclure directement que l'étendue est de 0,60 de décimales, et on rajoute bien une unité. Il est important pour tous les paramètres statistiques de donner l'unité pour qu'il y ait du sens, et on vérifie que ce résultat est cohérent. Pour le calcul de la moyenne, il n'y a aucune difficulté, c'est la somme des 7 valeurs, 7 temps des 7 coureurs divisé par l'effectif total, soit 7, et on obtient, en divisant, en arrondissant au centième, à 20,31, ce qui nous donne une phrase pour conclure. Le temps moyen est de 20,31 secondes environ. On met bien au centième, comme demandé dans l'énoncé, et on met bien une unité, comme pour tout paramètre statistique. Dernier paramètre, la médiane de la série. Ce paramètre est de niveau 3e, il est un petit peu plus complexe, ça vaut le coup de le rédiger un tout petit peu, même si l'exemple est simple. La première chose est de me rappeler l'effectif total de ma série. Il y a ici 7 valeurs. Nous allons donc appliquer le cours qui dit que la médiane va être la 4e valeur de la série quand elle va être classée par ordre croissant. 4e valeur, puisqu'il y en aura bien 3 inférieurs et 3 supérieurs. Il vaut le coup dans une série à faible effectif de réécrire toutes les valeurs par ordre croissant, comme ici. On part de 20,09 pour arriver à 20,69, on écrit les 7 valeurs et on comprend bien que cette valeur-là est la valeur centrale. La 4e valeur de ma série est 20,25 et on peut conclure que le temps médian est de 20,25 et on met toujours une unité, 20,25 secondes.